Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une page. Alors c'est une page en fait qu'on m'a proposée sur Facebook. Alors c'est une page, on va dire entre guillemets, avec du matériel non scrap, où en fait à l'origine c'était même du en fait en gros du basique, c'est-à-dire que de la peinture, qu'un stylo, qu'une feuille. Et voilà, enfin bref, je vous lance donc mon papa. Donc là il n'y a pas de matériel, c'est des M-Stencil. Vous voyez, non scrap. Voilà, à l'origine je les ai créés pour le scrap. Donc voilà, enfin bref, je vous lance donc mon papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour cette page, on m'a donné le défi de faire une page, on va dire, sans matériel de scrap. Donc je vais prendre une petite assiette en bois, en plastique, allez casser bois, c'est pas grave. Donc de la peinture, bon là j'ai pris de la Martha Stewart parce que j'ai pas d'autre peinture que Martha Stewart, on va dire. Donc j'en mets un petit peu, je vais mettre de l'eau. Bon, c'est, on va dire, j'aurais pris un pinceau avec de l'eau, ça aurait été pareil. De toute façon, j'ai même pas de pinceau non plus, ils sont tous au sale. Donc un pinceau, et puis je vais faire directement ça. Je suis pas sûr que ça marche. Il y a trop d'eau. C'est ce que je pensais. Je vais retester sans eau en fait. C'est quand même beaucoup plus facile avec des pochoirs, vous allez me dire, hein. Mais bon. Je vais faire pareil avec un petit verre. Un verre quoi. Donc sans matériel de scrap, sans bombe, sans tout ça. Voilà, je vais laisser sécher. Donc on continue dans le délire rond et tout ça. J'ai pris un bol Ikea, un stylo. Alors je vais lui faire l'effet couture. Donc voilà, je vais refaire de l'autre côté. Ouais, on va tout faire par deux. Bah, je vais tout faire par deux. Au pire, je vais même faire un. Hop là. Un rond. Et en fait, en décalé, je vais faire. Je vais faire les petits pointillés. Tac, tac, tac. Et là finalement je vais refaire un petit hop avec. Effet couture. Là je vais y faire
Philippe qui croit. Voilà. Ensuite, je vais prendre. Donc là, c'est une simple enveloppe hein, que je vais déchirer. Et dire qu'au tout début de mon scrap, je scrapais comme ça. Une paire de ciseaux. Donc, bien sûr, je pense, vu que j'ai pas le droit au matériel de scrap, je pense que j'ai pas le droit au massicot. Donc, c'est pour ça. Paire de ciseaux. Hop, hop. Je vais garder l'effet là. Ça, je vais le garder aussi. Hop, hop. Je vais reprendre genre ça qui est déjà fait. Hop. Ok, alors je vais gratter un petit peu genre ça. C'est pas de matériel de scrap hein, c'est une paire de ciseaux. Le seul truc qui m'embête c'est que je vais être obligé de coller, coller au pistolet à colle. Bon, après je pourrais coller à cette colle là, c'est de la colle bricolage donc technique. Bon, allez. Je vais prendre, je vais jouer le jeu, mais non, j'en ai même plus. Bon, ben, j'ai celle-ci, on va voir si ça tient. C'était comme ça. Puis je vais refaire les traits par-dessus après. Comme ça, et donc... Ouais, ça colle pas fou quoi. Oh non, 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 non. Faut faire la bêtise de ouf là. Elle était belle, elle était toute blanche. Je vais laisser sécher la colle pour que ça tienne bien. Parce que si de toute façon, si je réutilise quelque chose par-dessus, ça va tout décoller. Donc voilà, donc c'est à peu près sec la colle. Je vais. Alors c'était quelle ? C'était, c'était ça, je crois. Ouais. Je vais repasser le trait. Ça passe par-dessus. Là, et là c'était le petit pointillé, mais bon ça va être chaud à refaire. C'est pas grave. Je vais lui faire des petits traits comme ça dessus. Pour rappeler un peu. En gros c'est une page doodling quoi quasiment.
pas les sèches en fait. J'avais pas collé la photo. Bon, je vais finir avec du petit journal art, hein. De journaling, pas journal art, journaling. Donc journée à la mer. S'enlève, donc j'ai fait un bout de caca et je vais regarder la date, et donc la date du 14 mai 2017, donc 14 mai, je vais faire un, ça sera 17 comme ça. Bon, voilà. Ma page est finie. Donc voici ma page, comme vous avez pu la voir. Alors comme je vous ai dit, hein, pas de matériel, juste le basique. Donc stylo, peinture, et j'ai utilisé une enveloppe pour faire le... Voilà, une enveloppe en carton. Il y a le voisin, vous pouvez peut-être entendre, qui a lancé son motoculteur. Enfin bref, j'espère que vous... Vous ne l'entendez pas trop parce que je parle de toute façon. Là, je crois que maintenant que la page est faite, que je vous ai montré, je pense que je vais y coller un petit badge là. On le fait en live. Ah non, j'ai pas de pistolet à colle de brancher. Avec un petit genre... Non, j'ai bien des bleus. C'est enfin l'été. Il irait bien là. Non, je vais la laisser comme ça parce qu'on m'avait proposé une page en non-scrap. Voilà. Alors, j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Désolé pour le bruit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.